Parce qu'on est dans un monde qui va pas bien, qui a pris des habitudes et qui a une manière de vivre, de se vivre qui déconne. Et donc c'est important de s'arrêter d'y réfléchir, parce que je crois qu'il y a une urgence et que il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut et réfléchir à ce qu'il faut faire alors pour pouvoir y arriver, quoi. Somehow I gotta add to something. One time before the curtain drops, I'm alright, I'm alright. Oh my god, I put the world on stop. Somehow I gotta add to something. One time before the curtain drops, I'm alright, I'm alright. L'insertion, c'est pour des jeunes qui sont en difficulté, soit qui n'ont pas d'emploi, et alors l'insertion c'est justement pour aider. Donc il y a tout un groupe, donc Raphaël, Stéphanie, qui aide justement les jeunes à se booster pour avoir de l'emploi ou pour être en activité. Il y a aussi pour moi, genre, They work with the wood. La guitare. They learn to play guitar. Ouais. Alors il y a le balinois qui est deux groupes, on dirait, pour l'anglais et pour le français, pour les personnes étrangères. Bon, ma petite, une maison, c'est une famille, on habite tous ensemble. Bon, ma petite, it's a big family, we live together in this house. We have a teenager, on a des adolescents, adultes, d'adultes et volontiers. Les personnes qui sont ici, c'est des personnes qui arrivent à un moment de leur vie où c'est pas forcément évident. Elles sont un peu perdues, elles savent pas trop ce qu'elles veulent faire et voilà. Donc elles viennent à Beaumont pour prendre une grande respiration et on espère faire beaucoup de choses. Par rapport au travail, c'est essentiellement la construction de murs ou alors on travaille autour de la maison, painting, mending. On a aussi de la formation. C'est la formation à travers laquelle ils peuvent trouver du travail, une formation, enfin beaucoup de choses. Donc en fait l'association en Grèce, ils organisent des chantiers internationaux, ils ont des volontaires, mais ils disent qu'ils ont beaucoup de besoins, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés en Grèce, parce que à cause de la crise aussi, et qu'il n'y a pas de lieu comme ça où ils peuvent s'organiser pour aider ces jeunes-là, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour le moment, la Grèce va très mal. Donc ils auraient besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir construire des lieux comme ça pour aider les personnes à s'en sortir. Et pour l'instant, voilà, l'association fait des petits projets l'été surtout pour essayer d'être in action. Ça s'appelle Citizen in Action. Donc, CIA. Et donc voilà, ils accueillent des volontaires pour l'instant qui viennent pour aider en général à cause de la crise. Ils font des actions civiques, etc. Et ils veulent construire en fait quelque chose comme Beaumont. Et ils sont ici pour apprendre. Ils disent que vous serez, vous leur apprendrez à construire quelque chose ainsi. Et ils parlent aussi des anciens, que lui c'est un jeune. Et voilà, ils ont constitué un petit groupe. Et voilà, ils veulent faire quelque chose comme Beaumont. Quoi. Ils veulent se développer dans la montagne, ils cultivent un peu des tomates, etc. Pour montrer aux gens comment c'est fait. Voilà, qu'ils apprennent un peu le naturel. Moi j'ai fait 6 mois de service volontaire à Bézère. C'est là où il y a une partie de l'association, parce qu'en fait Vertigem c'est surtout sur le patrimoine. Donc là à Bézère c'est sur l'environnement. Donc on a une ferme pédagogique, donc il y a des enfants qui viennent pour la journée, et on leur montre la ferme, il y a un potager, il y a des animaux.
Il y a aussi des journées aussi par rapport aux oiseaux, donc regarder, etc. On fait du miel aussi. Je crois que c'est du pain aussi. Et on est en train de faire du pain maison, que c'est très simple, qu'on peut tout le monde faire chez lui, chez soi, avec de la farine, de la légume fraîche, de boulanger, qu'on peut trouver dans les boulangeries. Si on n'a pas un boulanger frais, on peut aller chez les hypermarchés et acheter de la légume de la boulanger. Alors la base du pain, c'est ça, c'est de la farine, de la légume, de l'eau et du sel. Après, on peut faire ok, c'est lesquels les avantages de les faire à maison? Et qu'on s'assure que les ingrédients ils sont bons, ils sont pas modifiés, voilà, et qu'on mange de bons pains. Et qu'on peut mettre ce qu'on veut, c'est l'avantage qu'on peut faire les pains qu'on veut. L'avantage aussi c'est que ça dure. Ça se conserve beaucoup plus que les pains qu'on achète normalement. On peut le garder 2, 3, 4 jours. Ou une semaine, on peut le manger. C'est toujours bon. Voilà. Et c'est thérapeutique. Et c'est thérapeutique, le faire en plus. Voilà. C'est très convivial. Voilà, pouvoir faire les pains. Je suis en train de faire un portefeuille. Donc voilà, il se fait un peu. Donc c'est avec
Donc ça, c'est des morceaux de journaux que j'ai découpés. Ils se ferment comme ça. Ça va devenir un portefeuille. Donc, et après, donc, il faut coudre le reste. Et donc, c'est avec des vieux journaux qui traînaient dans la maison. Donc voilà, avec des vieux journaux, on peut faire des portefeuilles. Et pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? C'est les avantages. Les avantages ? Ouais. Les avantages, c'est de pas aller acheter des portefeuilles tout faits. Donc c'est de l'économie. En plus, tu fais travailler ton imagination. C'est quelque chose qui t'appartient vraiment parce que ça correspond un petit peu à ce que tu peux ressentir sur le moment. Et bien sûr, c'est la première chose, c'est le recyclage des journaux. Au lieu de les jeter, et ben on s'en resserre pour faire par exemple ce genre de choses. Toothpaste, handmade toothpaste with some ingredients from nature. It's like oxygen, cooking soda, glycerin, and this. It's mente pavre for the smell. Okay, and for why we do it handmade and we don't buy it? Why? Because you don't have to buy it. Some things you have to make it by, you can make it by your own, you don't have to buy some things. And it's better to be handmade. Nous sommes en train de confectionner un yaourt nature à base de lait entier que nous devons faire bouillir. Et ensuite ajouter les pruneaux qui sont là-bas. Et après, grâce à une machine qui tourne à basse température et un yaourt nature que nous avons acheté, nous allons pouvoir manger un litre de yaourt nature fait maison. Oui, et tu peux expliquer les avantages de le faire maison à l'acheter? L'apport en nutriments est bien plus important. Nous évitons d'aller faire des achats excessifs dans les grands magasins qui nous font manger du grand n'importe quoi. Même en essayant d'abaisser leur prix, nous ne sommes pas dupes. C'est meilleur pour la santé et ça partage de vie en collectivité. Il n'y a pas d'emballage. Oui, c'est plus écologique pour l'homme. Oh, merci Raphaël. Il n'y a pas de pub aussi, c'est vrai, très important. J'oublie souvent ça parce que je peux travailler parfois dans ce mais oui. Non, c'est. Il faut le faire comme ça. We can make whatever. On peut faire n'importe quoi. Gestohlen. Komm
Et je trouve que là, c'est bien ce qu'on fait ici, c'est qu'au final, on se rend compte que ça ne prend pas tant de temps que ça, quoi. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, ça peut être une activité dans la maison au lieu de regarder la télé. Parce que voilà, moi je pensais vraiment que moi-même, que ça prendrait beaucoup plus de temps, par exemple, de faire du dentifrice, alors que pas du tout, quoi. Ça nous a pris 10 minutes. Donc moi je pense que c'est pas une question de conscience, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont conscience, sauf qu'ils ont pas envie de changer. Je m'en fous, je suis un peu excentrique, mais je vis comme je veux, et ça dérange les gens quand on ne fait pas comme eux. Je suis juste à l'antipode du conforme de la vie. Je ne suis jamais la mode, car c'est elle qui me suit. Les gens disent je suis fou, les gens disent je m'en fous, mais quelle importance aux yeux de la vie que l'on dise que l'on pense. La même chose nous unit si les différences existent aussi ailleurs. C'est dans l'intolérance qui vit au fond de leur cœur. Les gens disent ah. Thank you.
run out on the break wall, shout somebody's name. Only diviners will hear you, only the water remains. There's a line in a play I think of. There's a portrait of one. There's a ghost in the rafters lately, and a straight horizon. And oh, look at you now. Your changes betray you. Someday I'll understand how my dreams convey you. There's a bird on the windowsill. There's a face in the moon. There's time to retreat still. Always leave too soon. Bonsoir à tous et bienvenue à ce repas international. Je vous remercie d'être venus pour partager avec nous ce moment très convivial de l'échange des jeunes qu'on est en train de vivre à Beaumont. Alors, cet échange est financé par les programmes européens Jeunesse en Action et par l'ADREAL. Et c'est sur le thème de l'environnement, donc impose durable. Alors, ce soir, on va sûrement goûter toutes les spécialités des quatre pays représentés dans la convivialité et dans les bonnes humeurs. Donc, ce qui reste à faire, c'est vous souhaiter un très bon appétit. Comme ça. Après, tu plaquines. Comme ça. Ok. Après. Potel. Tzatziki. Après. Tomates. Après. Rolli. Voilà, la grecque. Wow. C'est de pomme et de canard, c'est très bon. On a également la dorée, c'est la purée de tomates. Et les boudins, spécialité belge, avec la sauce chasseur. C'est fait de sirop de miel, la région de Louvain. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est quelque chose de typiquement français. N'est-ce pas, c'est une alliance franc-comtoise et au Savoyard. C'est un gratin dauphinois, c'est pommes de terre, crème, lait, ail, beurre et amour. Beaucoup d'amour. Action 1.1, échange des jeunes, c'est le nom. C'est un des rencontres des jeunes bi, tri ou multilatéral, donc ça veut dire entre deux pays, entre trois pays ou plusieurs pays. Ça peut durer de 6 à 21 jours, c'est le minimum 6 jours et 21 jours c'est le maximum. Et il doit faire profiter à partir de 16 jeunes et jusqu'à 60 jeunes de 13 à 25 ans. Voilà, t'as envie de faire quelque chose, tu vas où, tu sais quoi, Tu cherches déjà 4 personnes avec toi, et après tu t'adresses aux directions des jeunesse et sport en région. Et ils ont un conseiller d'éducation populaire, ça s'appelle. Il y a des correspondants de l'agence qui travaillent en région. Il y a des soutiens aussi, quand même. Oui. In service of a general interest project or in another country's organization to live an intercultural experience of solidarity and to get good knowledge, good the understanding of other cultures. This project does that. You don't need to change all the world.
just you need to learn and how can you help the others about the knowledge, and you can we continue the knowledge each other. You know, I learned something here, I show to my friends show to the other friends, and can we, let's say, change a little bit something. Time to do something.